histoire. La théorie s'écarta minime sur trois minutes de l'histoire. Les épreuves de fond qui commencent à l'instant avec ces 9 bateaux de la catégorie s'écarta minime. Le champ entre la Bretagne, la Lorraine, Grégoire, Aquitaine, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne et Rhône-Alpes. Arrêtez, il y a les C4 qui arrivent là. Mettez-vous sur le côté. Allez les filles, allez hop, hop, hop. Allez les filles, c'est bien ça. Allez les filles. Allez Hélène, allez les filles, c'est bien. Allez c'est sympa les filles, allez, allez. Hop, hop, hop. Allez,
sont également très très bien organisés au niveau technique. Et pour ces jeunes demoiselles, avec la pluie, elles font preuve de énormément. Alors Michel, est-ce que tu arriveras à nous confirmer que le deuxième équipage s'agit de la Bourgogne? Salut, c'est Alain, je suis en train d'arriver vers toi. Voilà, donc elles vont tourner pour le virage. En deuxième position, le bateau numéro 15, la Bourgogne. Et juste derrière, le numéro 16. Alors j'ai l'impression que les bateaux ont été bien bien là, parce que le virage, c'est l'embarcation du bateau de ferry. Et ça va tout changer. Voilà, qui a bien eu partout, qui tourne au bon endroit, et... Faites tourner ce calvaire au plus vite, il faut qu'il tourne aussi. Ah, il y a la catastrophique, la Bourgogne a suivi la montagne. Super, elle s'est fait un mur en erreur, les petites bourguignons, du coup elles ont tourné très au large et elles ont fait tirer. Ça ne se joue là, on se trouve sur la remontée, elle redouble de cadence. Le l'autre intérieur du bas, à fière allure. Le l'autre intérieur, c'est le bateau jaune, qui est le deuxième pour le moment. Et tu sors du bassin, le K4 qui remonte au niveau du 200 mètres, tu sors du bassin. Alors là, pour la troisième place, alors ça y est, elles sont parties, les Bourguignonnes viennent de redéposer pour l'équipage de Bretagne. Alors Pas-Calais a choisi une option un peu plus milieu de bassin, alors avec deux mondes, ça me paraît profitable, mais les Bretonnes tiennent bon. Nord-Pas-de-Calais essaye de profiter du vent de l'eau en se mettant en plein milieu du bassin, et c'est très intelligent. On les voit en plein écran, à deux autres. Dans les 200 derniers mètres, c'est quatre bretons. Ils arrivent, la cadencier. Beaucoup de maîtrise dans cette embarcation. On voit là l'illustration de tout le travail. Est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un arriver pour sauter les clés de mon camion? Frédéric Castrix, tout à l'heure. Un beau travail d'animation des équipes jeunes qui portent ses fruits avec. L'illustration de la victoire du C4 breton dans cette épreuve du C4 dames qui vive. Le C4 composé de demoiselles de corps, le vert et Raguenet. Le blanc, merci et bisous. Ils ont remporté une belle médaille d'argent. Troisième place pour le bateau numéro 15 qui arrive maintenant. Alors on arrive à l'arrivée du troisième bateau de cette course, le bateau de la Bourgogne avec une demoiselle pure, Jonathan. Louis et Poil de Vin qui prennent la médaille de bronze. Là, il y a un peu de
D'accord, ok, on arrive. Bon, moi j'y vais. Au revoir. Vas-y, salut. C'était pas trop mal parti. Ils sont deux. Ils sont deux ? Ouais. Non. Trois ou quatre ? Non ? Enfin, je sais pas. Après, là-bas, ils étaient plein au milieu du bassin. Il y a un deux. Il y en a un qui est deux. Ah et... Bah, c'est peut-être là. Et l'autre qui est trois ou quatre. Ils se suivent, hein ? Ouais. Si ça pouvait s'arrêter deux minutes. Non, ils sont pas deux. Ah si, il y en a qui. Ici ? Ah oui, les autres sont là-bas. Allez, Briac, accroche le bateau ! Accroche le bateau devant, Briac ! Accroche ! Allez, on relance ! Jusqu'au bateau, on relance ! On relance, on les accroche ! Allez, Briac ! Tu restes dans la vague ! Tu les accroches ! Voilà, reste dans la vague et tu les accroches ! Allez, c'est bien, Quentin, et ça, c'est excellent, ça ! Allez les garçons, allez, c'est bien! Allez les armes! Allez, on y va! Je vous rappelle donc,
le podium, troisième Bourgogne, deuxième Nord-Pas-de-Calais, premier Bretagne. Les contours des applaudissements, merci. Thank you.
Yeah!
deuxième. Médaille de bronze. Et je tiens la main et de monter sur la marche. Troisième personnel de bronze à Bretagne. Dans cette catégorie, 4 dames seniors, qui se trouvent hier en fin de journée.
arrive à la troisième place l'équipage de Dancing. Pavillez doucement pour laisser les bateaux en pleine course s'exprimer pleinement. Merci à eux, merci mesdames, puisque ce sont les dames qui sont maintenant en pédale au milieu du bassin dans le bateau du village. Donc regardez bien, attention au bas, il y a un bateau qui arrive dans le village. Et c'est donc une victoire de la Bretagne
avec Le Guénec, Justin, Le Pé et Doré qui s'imposent dans cette course des C4 000 Michel Dupuis qui est actuellement au Guénec avec le tour, encore dans ce podium. Toujours de la Bretagne, à mon avis pour la deuxième position. Ils arrivent, ils sont à quelques mètres, ils arrivent au milieu du jeton. On voit bien le bateau, le joueur de la Bretagne, mais c'est le Nord-Pas-de-Calais qui va aller chercher la troisième place qui a été soufflée. Le Pays Noir, sur la fin, elle veut allumer le temps et l'équipage du Nord-Pas-de-Calais sur ses terres, ils ont tout donné et sont allés chercher la troisième place devant les Pays Noirs. Allez, on lance le podium, c'est le Seigneur en avant. Dans cette catégorie, c'est les dames seniors, les médailles sont remises par Grégoire Angoja, entraîneur du club de Mantes-la-Jolie. Et d'ailleurs, Neximo, 94. Dans cette catégorie, c'est deux dames seniors. Troisième. Aline Pogatico. Deuxième place et médaille d'argent pour le club. En attendant, on va lancer la récompense de la catégorie C4 hommes minimes qui s'est déroulée il y a quelques instants. C'est parti. Catégorie C4 hommes minimes, les médailles seront remises par M. Urbain Alain, chargé de la communication à la Commission nationale course en ligne. Troisième position, médaille de bronze pour la région du Brésil. Allez, coup de paquet, Jessica.
Allez les filles, on recolle le bateau jaune, on recolle le bateau jaune, on se met derrière. C'est bien. Allez les filles, allez, 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 allez. Allez. Allez les motos. 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 Et une heure passée. Je vais en fait demander aux juges en fait de faire un tour supplémentaire de retour. Alors l'année prochaine, ça sera 5000 mètres pour certains. On attend juste quelques mois. Il faudra de tirer de vie. On va se remercier, Simon. Alors, la Bretagne qui se présente dans ce deuxième virage. Deux des trois virages, deuxième. Et derrière, rien n'est encore fait pour la deuxième et troisième place. Je veux dire même pour la première parce qu'ils sont encore assez proches du bateau breton. Je vais faire un petit rappel d'ailleurs à l'âme de notre partenaire, Liliane, puisque là c'est un Z-Tech. Alors Manu qui est le bateau de troisième position, si tu vois le numéro, Renard et les Pays Noirs. On est retourné sur la nappe, le maillot jaune, les pays noirs, le bleu qu'on a pu. On est en large, on travaille en tête de course, de beaucoup de courses lors de cette méga performance d'espoir. Allez les filles, super! Le pays noir qui va sortir à la deuxième place de cette course, Ronald, de toute la peau dans la maîtrise. C'est pas les filles ensemble, le temps de repartir. Il faut passer des délires. Le pays noir. Impressionnant, impressionnant, c'est le meilleur. Allez, c'est reparti pour un tour. Et déjà, le dernier coup de ce moment à deux. Encore un virage pour la tête de course, et puis ensuite ce sera la dernière ligne droite pour l'arrivée finale. On est un peu plus loin, une légende phare du club de Charleville-Mézières, un petit drone, Jean-Bernard. Quelques drones, notamment, quelques athlètes de Charleville-Mézières. Quelques noms, notamment quelques athlètes de Champagnard même. Alors, pour votre déroulement,
résumer mieux la dernière étape de cette frégate nationale de l'espoir avec la course de 14 minutes qui est menée par un équipage breton, un rappel aux 16 équipes des différentes régions, cette équipe espoir des différentes régions à Plaisir-Pain, donc des issues de cette course. Merci de venir sous les couleurs de vos régions avec vos bateaux d'équipage, vos bateaux longs en 4 places et en 4 afin d'être en clôture cette régate nationale de l'espoir par la remise des trophées aux meilleurs. Et à partir de 13h15. Donc merci de préparer vos équipages. La pluie s'est arrêtée. Allez Mathieu, on reconnaît la course des organisateurs. Parce que cette remise, ils sont venus trouver le médaille. Ça se fera sous un soleil radieux du Nord-Pas-de-Calais. Alors que sortir du virage, dernier virage de cette course des K4 dames minimes. Toujours point d'entête la Bretagne, mais derrière rien n'est encore fait entre Rhône-Alpes actuellement en troisième position, mais qui touchait quasiment la pointe arrière du bateau juste devant Pays de la Loire. Dernière ligne droite avec le sprint final, tout est encore possible entre ces deux bateaux, notamment Rhône-Alpes, Pays de Loire, Bretagne qui semble filer vers la victoire. On attend ici avec impatience la fin et l'arrivée finale. Et ils sont tous les talents qui sont posés sur l'estrade. Un magnifique trophée qui va être remis aux trois premières équipes régionales. Donc à partir allez les filles, allez c'est bien. Ça va vite, ça va vite, on peut l'apprécier sur le grand écran avec le travail qui est effectué par la société. Au niveau de la tribune d'arrivée, pour que ce challenge de la régate nationale de l'espoir puisse être remis à partir donc de 13h15, dans environ une vingtaine de minutes, presque. Regardez, la Bretagne toujours en tête, mais derrière, ça remonte et rien n'est fait. Actuellement, deuxième position, Pays de la Loire, qui a terminé 3e sur 500 mètres tout à l'heure. Juste à côté, Rhône-Alpes, au coude à coude. Ça va vite et ça va vite, on peut l'apprécier sur le grand écran avec le travail qui est effectué par la société. Avec l'émotion, on peut suivre l'intégralité en live des courses de descente de France en allant sur le site de la Fédération française de Télé-Internet. Le bateau de retour ici, il est à moins de 100 mètres à la fin de la ligne d'arrivée. Et derrière, c'est difficile pour une épée d'avoir un rond sa pioche. Elles ont perdu un vent derrière. Rhône-Alpes à l'affût, qui va maintenant tout donner pour essayer de remonter. Ça va peut-être être un peu juste. Bretagne, qui vient s'imposer. Une nouvelle fois ici, pour cette catégorie, K4 dames, minimes, ça y est, c'est devant la Bretagne. Et derrière, Pays de la Loire, qui a tenu bon jusqu'au bout, encore quelques mètres. Encore le Pays de Loire pour une belle médaille d'argent. Et c'est fait, après une médaille de bronze sur 500 mètres, c'est la médaille d'argent pour les Pays de la Loire, les Nigériennes. Qui termine son parcours. Un beau tiercé. Yeah.
demander à la mairie du bateau de nous présenter ses... Par exemple, tu peux nous présenter tes entraîneurs et Manu, tu es aussi les amis. Et à l'issue, le grand classement final avec le classement par points. Le kayak, c'est un sport qui déchire. Donc féliciter tous les jeunes et surtout les régions qui jouent le jeu de cette régate nationale de l'espoir. Ça, c'est un bon point de départ pour rentrer dans l'activité. Donc on ne peut espérer que continuer les années à venir, peut-être que les formes à réinventer, à moderniser. Équipe 2 et un classement équipe 1. Je vous donne trois formations, le classement équipe 2. Quatrième, les Pays de la Loire avec 101 points. Troisième, l'Île-de-France, 109 points. Deuxième, la Bourgogne, 156 points. Et premier, la Bretagne avec 338 points. Nous passons maintenant au classement du régate national espoir pour les équipes 1 avec les remises de trophées. Troisième place, 272 points. La Bourgogne. Voilà, la Bourgogne, troisième de la nationale de l'espoir. Je tiens à signaler quand même qu'en quatrième position, nous avons la région Nord-Pas-de-Calais qui est parmi les quatrièmes. Donc je vous ai dit, troisième avec 272 points, la Bourgogne. 12 points pour la troisième place. 5 points séparent seulement avec la deuxième région. Donc de 272, nous passons à 277. 5 petits points d'écart pour la deuxième place. Pour qui? Pour les Pays de la Loire. On peut applaudir encore une fois les Pays de la Loire pour cette deuxième place. Alors qui va être premier? L'année dernière, le trophée était détenu par la Bretagne. Reste-t-il premier? On se pose tous la question. Est-ce que vous pensez que la Bretagne est premier? Oui. Deuxième, Pays de la Loire, 277 points. Premier, 349 points, la Bretagne. Oui. Alors, je ne sais pas si le président, qui a fait la plus tard. Représentant de la Bretagne. Oui. Qui arrive quelque part. Ah, ici, il pensait pas qu'il serait. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, trophée remis par le Conseil Général du Nord. On va le féliciter. Ouais. Les jeunes sont repartis, mais ils vont aller péter ça dignement avec les jeunes. Un petit coup de pignon pour la Bretagne. Je vous rappelle. Bourgogne, troisième la Bourgogne, deuxième Pays de la Loire et premier la Bretagne. Voilà, on a le premier d'abord, tout simplement. Et on peut s'applaudir encore une fois. Les médailles sont bien ici. Elles ont remporté cette course de haut vol. Première, au classement général, elles ont apporté leur contribution. Il s'agit de la Bretagne. Ouais. Allez, monsieur le maire de Gravelines et monsieur Marquet vont remettre les médailles d'or pour celles qui ont remporté cette course des K4 dames minimes qui vient donc clôturer ces épreuves des régates nationales de l'espoir 2014. Ici à Gravelines. Je vous rappelle donc ce podium et toutes les jeunes filles vont pouvoir peut-être se rappeler ensemble pour une photo. Voilà la photo finale. Je vous rappelle ce podium, vous pouvez les applaudir. Troisième Rhône-Alpes, deuxième Pays.